Génération Bistouri, c'est le titre d'un livre sur la médecine et la chirurgie esthétique qui est en plein boom, un plein boom après le Covid, plus 30% de consultations et de demandes esthétiques parce qu'on est tous devant nos écrans, on a tous des filtres sur Insta, etc. Mais attention, les filtres, c'est pas la réalité. Quand on a un problème esthétique, on va voir un médecin esthétique ou chirurgien esthétique et c'est vraiment la première chose à vérifier, ce sont les diplômes. Ne pas aller faire des injections, par exemple, chez quelqu'un qui n'a pas les bons diplômes par le bouche à oreille ou parce que vous avez vu tel ou tel influenceur vous conseiller d'aller voir cette personne. Non, on va voir un médecin ou un chirurgien esthétique diplômé, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de prendre son temps, c'est d'en discuter avec le praticien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce geste de médecine ou de chirurgie esthétique? Parce que parfois, on a l'impression que quelque chose ne va pas, mais c'est que notre impression et la réalité est tout à fait différente. Il vaut mieux avoir une bonne hygiène de vie, ne pas fumer par exemple, éviter l'alcool, avoir une activité physique. Ça, c'est aussi bon pour la peau finalement que quelques injections qui vont forcément être temporaires et pour lesquelles il va falloir sans cesse recommencer.